Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soir Cool au Mike et aujourd'hui je vais vous présenter un glitch sur Call of Duty Infinite Warfare en mode zombie sur la map Red in the Redwoods. Donc c'est un glitch que je vais en fait je vais vous présenter tous les out of map qu'on peut faire avec le transpondeur qu'ils ont pas été s'ils ont été patchés ou s'ils n'ont pas été patchés aussi. Voilà, je vais vous dire tous ceux que je connais. Bon, je vais sûrement en oublier. Enfin tous ceux qui fonctionnent encore. Et je vais sûrement en oublier, ça c'est fort possible. Mais bon voilà, il faut savoir que si vous arrivez à sortir à l'extérieur de la map, bah, vous pouvez rejoindre partout après. Hein. Vous pouvez aller dans l'eau, vous pouvez aller là-bas, vous pouvez aller là-bas, vous pouvez... Vous savez faire le tour de toute la map. De toute façon, je mettrai une vidéo dans la description où j'ai fait le tour de toute la map avec, avec les transpondeurs. Enfin, avec un seul transpondeur, je fais le tour de toute la map. Donc voilà. Alors, déjà il vous faudra le challenge station de l'hibou. Qui consiste à tuer 25 zombies à distance, donc il faudra bien sûr l'activer pour pouvoir le récupérer et vous pouvez le récupérer toutes les deux manches. Donc voilà. Donc on m'a dit que ce glitch, donc le transpondeur, si on le lance dans les crasses, on m'a dit qu'il ne fonctionnait plus, donc je vais essayer. Hein. Donc là, on voit bien que ça ne veut pas fonctionner. Donc là, c'est vrai, il a été patché. Par contre, là, je vais vous montrer un autre qui n'est pas patché. Il se trouve, voilà, ici, vous voyez les deux morceaux de bois. Là, regardez, c'est très simple, hop. Donc ça, là, je me dirige vers la récréation area. Et ben, voilà, c'est ces deux arbres-là, vous allez voir. Donc imaginons, on se dirige vers les mines. Avant d'ouvrir cette porte, on s'arrête là. Et on lance le transpondeur là-haut. Regardez, je l'ai lancé environ comme ça. Donc, entre les deux branches, on va dire. Vous vous mettez ici, vous le lancez entre les deux branches. Et regardez, vous faites TP ici. Donc voilà. Faut que le transpondeur arrive à se mettre ici. Pas là parce que ça fonctionnera pas. Enfin, faut qu'il arrive à se mettre là. Ensuite, ben, vous êtes en out of map, hein, tout simplement. Bon, après, faut faire attention à ça. Parce que regardez, si là, vous voyez bien que je tombe un peu. Et un petit rebord. Parce que je suis dans le coin. Et si je me mets là, là, je tombe dans le vide, tout simplement. Hein. C'est pas pixelisé. L'arc, même s'il est pixelisé, je passe à travers. Regardez, c'est des petits, voilà, des petits pièges. Donc, faut juste faire attention à ne pas tomber dans des trous, tout simplement. Donc, je vais pas vous montrer comment on fait le tour de la map, mais je peux vous assurer que je peux aller jusque là-bas. Donc, tout simplement, regardez, je vais peut-être vous montrer ça. Voilà, et vous avez ici, ça c'est la limite, faut pas la dépasser, vous suivez la limite, hop, vous passez à travers le rocher, ok, après, il suffit juste de sauter comme ça, hop, voilà, voilà. C'est tout simple, franchement c'est easy money, hein. Il y a même la karma là, en illimité, ici, voilà, vous voyez, je peux acheter, donc voilà. Donc là, je vais stopper la vidéo et je vais la relancer pour vous montrer un autre transpondeur. Vous pouvez le lancer aussi, mais va falloir que je passe deux manches. Donc je vais passer les deux manches et puis je vous dis à tout de suite les potos. Donc voilà, j'ai passé deux manches. Là, je vais reprendre un transpondeur, voilà, et je vais vous montrer le deuxième transpondeur qui fonctionne encore. Donc, il est vraiment tout prêt. Regardez, il se trouve là-bas. Donc vous voyez le piquet, faut vraiment le mettre à côté. C'est ça, voilà. Vous voyez le piquet là? Vous voyez où je suis? Voilà. Ben, il faut juste mettre le transpondeur au-dessus de cette petite pierre là. Il faut vraiment le mettre où je tire. Hop, regardez. Voilà. Vous voyez? C'est de la petite pierre à côté du piquet. Vous tapez. Et là, vous êtes en out of map. Hein. Et pareil, hein, vous pouvez faire le tour de la map en fonction. Enfin, donc d'ici, vous pouvez faire le tour de la map. Hein. Regardez. C'est aussi simple que ça. Vous voyez. Longer. Après, vous pouvez même monter là-dessus. Ah non, je ne pouvais pas monter là-dessus. Ok. Vous voyez, toujours vérifier si on peut monter ou pas. Hein. Donc, tirez, n'hésitez pas à tirer. Pour être sûr que parce que sinon bah, vous allez mourir tout bêtement comme moi. Donc voilà, je vais passer au troisième transpondeur, excusez-moi. Donc voilà, pour le troisième transpondeur, il se trouve ici au spawn.
Vous voyez la petite lanterne là, juste à côté du banc? Ben, il faudra juste lancer le transpondeur à côté de cette lanterne, regardez. Voilà. Et là, je suis en out of map. Vous voyez? Aussi simple que ça. Mais cette out of map ne vous permet pas de faire le tour de la map parce que, ben, comme je vous le disais au début, ça c'est l'intérieur de la map. Donc voilà, ici, je pourrais pas aller en. Quoique, peut-être que si je vais par là. Est-ce que je peux passer? Déjà, je vérifie. Non, je pense pas que je pourrais. Non, je pense pas que je peux. Non, je peux pas. Je peux pas aller faire le tour de la map parce que je suis dans la map en fait. Je suis dans l'intérieur, le cœur de la map. Là, je peux pas faire le tour de la map, mais bon. Voilà, c'est un out of map aussi. Pas mal. Bah, il est assez sympa quand même. Hein. Attendez, parce que là, je me suis bloqué. Comment je fais pour remonter? Pourquoi je peux pas? Bah voilà, là je suis complètement bloqué. Oh putain, j'ai oublié d'acheter Quick Revive en plus. Donc voilà, ça c'était pour le troisième. Là je vais vous montrer le quatrième. Donc voilà, pour le quatrième out of map avec le transpondeur, il se trouve près du mess hall, juste en face de la tout cerise. Regardez, vous visez le morceau de bois là, vous lancez le transpondeur tout simplement, et voilà, vous êtes en out of map. Mais c'est comme le troisième, vous êtes out of map à l'intérieur de la map. Okay? Donc voilà, vous savez pas faire le tour dans la map, vous êtes bloqué dans les alentours ici, quoi. Ici, vous devez vous appuyer, enfin, vous pouvez aller à plusieurs endroits, mais vous ne savez pas faire tout le tour de la map. Donc voilà. Alors là, ben, je vais couper la vidéo et on se redit à tout de suite pour le cinquième transpondeur. Donc voilà, pour le cinquième out of map, ça se passe à la récréation area devant la boîte Magic. Donc, faut le lancer là. Hop. Voilà, vous voyez. Et là, vous vous TP. Et là, vous êtes derrière, bah, la boîte Magic et vous pouvez même rentrer dans les bars. Donc ça, bah, ça pourra vous protéger contre les Bigfoot. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Ensuite, bah, vous pouvez sortir de la map par ici. Hein. Donc voilà, là je vais passer au sixième transporteur. A tout de suite. Donc pour le septième, non, le sixième, pardon, transpondeur, c'est ici, donc près des pneus, près du grand feu. Vous lancez votre transpondeur là. Et voilà, j'étais en out of map. Tout simplement. Donc voilà. Après, ben, vous pouvez aller en dessous, ici, sous des pneus, etc. Hein. Et vous avez aussi la MV4, je crois que vous pouvez la prendre. Non, je pense que vous pouvez pas y accéder. Enfin bon, voilà. Donc là, je vous dis à tout de suite pour le 7ème transpondeur. Donc voilà, je vais vous présenter le 7ème et dernier transpondeur. Je sais qu'il y en a d'autres, pas besoin de me le dire en commentaire. C'est juste que voilà, les autres, ils sont genre juste à 2 mètres à côté. Ou voilà, ça revient au même. Donc. Si je devrais tous les présenter, il y en aurait au moins une vingtaine. Alors voilà quoi. Là, regardez, c'est ici que ça se passe. Vous lancez le transpondeur là, hop, tout simplement. Et voilà. Après, il y en a un autre, il se trouve juste à côté. Il se trouve juste là. Vous voyez, vous lancez le transpondeur ici, genre. Et ça marche aussi. Donc voilà, ça sert à rien que je vous le remonte parce que je dois encore passer deux manches à me prendre la tête. Donc voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos les potos. Allez, ciao, peace.